Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online et je vais vous montrer donc comment sauvegarder la tenue de flic pour les personnes qui n'ont pas pu le faire avec l'ancienne méthode donc qui a été patchée par Rockstar. Une nouvelle méthode est disponible, malheureusement elle est un peu plus compliquée mais c'est toujours mieux que rien. Donc c'est parti, là vous appuyez sur la touche Start, vous allez dans Activité, Jouer Activité, Créé par Rockstar, ici vous sélectionnez Versus. Et vous prenez donc la mission qui s'appelle Ripou et qui est juste ici, voilà, vous la lancez. Là, je vous ai passé ça en accéléré pour pas que ça soit trop long. Là, on va arriver donc dans l'accueil de la mission. Ici, vous ne touchez à rien. Et là, donc dans les vêtements versus, vous mettez les vêtements classiques pour pouvoir en fait sélectionner la tenue de flic. Là, ensuite, vous invitez un de vos amis. Donc, pour pouvoir faire ce petit glitch, il faut être minimum 2 dans l'activité. Puisque les versus se lancent seulement à 2, minimum à 2. Là, vous lancez l'activité et ensuite donc vous allez voir que c'est c'est pas compliqué mais il faut avoir quand même un peu de chance. Là ensuite donc dans les tenues versus, vous sélectionnez la tenue justice donc qui est juste ici et vous mettez prêt à jouer donc vous validez. Malheureusement, votre ami ne pourra pas sélectionner la tenue justice et faudra recommencer et lui devra être l'hôte pour pouvoir sélectionner cette tenue. Donc là ensuite on va arriver dans l'activité, c'est ici que ça va se compliquer, il y a plusieurs choses à faire pour que le glitch ne soit pas chiant à faire. Vous de votre côté vous réapparaissez ici juste devant la voiture, vous montez à l'intérieur et vous allez vous rendre au commissariat de police. Donc je vais vous montrer sur la map où c'est qu'il se situe, c'est juste ici, regardez, je vais vous mettre un petit point de repère, voilà, vous vous rendez ici. Donc c'est parti, et ensuite donc avec votre pote qui est dans l'autre camp, vous lui demandez d'appeler Merryweather pour qu'il fasse un ramassage en hélicoptère pour vous, pour avoir des parachutes en illimité. Vous allez voir que ça va être vraiment pratique par la suite. Là, je vous ai fait une petite coupure pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je me suis fail aussi quelques fois. Je ne l'ai pas réussi du premier coup comparé à Kiki donc, qui est avec moi dans la vidéo. Ensuite, on a échangé. Lui a essayé le glitch et il a réussi du premier coup. Franchement, j'étais limite choqué. Donc là ensuite regardez, j'arrive au niveau du commissariat de police, j'ai mon pote qui m'attend avec l'hélicoptère pour que je puisse avoir des parachutes en illimité, donc j'ai un parachute dès que je monte dans l'hélicoptère. Lui là il va rester avec l'hélico donc pour pas qu'il disparaisse et donc que je puisse monter dedans en illimité jusqu'à ce que je réussisse le glitch. Là ensuite donc regardez, j'ai placé un véhicule pour passer sous le pont, donc pas mal de personnes connaissent cette petite technique. Là ensuite donc regardez, je mets le parachute sur moi, donc je m'équipe du parachute. Et regardez, je vais devoir aller jusqu'ici, donc j'ai fait une petite coupure, je vous mets un screen, j'ai pas pensé à montrer l'endroit à ce moment-là de la manip, donc c'est juste ici. Là ensuite donc vous sautez dans le vide, vous activez le parachute et vous vous rendez donc au point de repère que je vous ai montré juste avant. Et c'est là donc que ça va être le plus compliqué de la manip. Va falloir réussir à atterrir dans le garage. Donc le garage a 10 places pour aller sauvegarder la tenue dans dans la chambre de l'appartement. Donc regardez, là on arrive près du point de repère, c'est juste ici. Et ici je l'ai eu du premier coup, donc si jamais vous n'arrivez pas à l'avoir du premier coup, vous vous amusez à tourner avec le parachute au niveau du point de repère, jusqu'à ce que vous arriviez donc à atterrir dans le garage. Là regardez, j'ai eu un petit problème de texture, le garage n'a pas apparu. Par contre j'ai le petit point bleu qui est juste derrière, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais longer le mur qui est à gauche, jusqu'à ce que j'arrive dans l'ascenseur. Regardez, là je colle le mur, je me déplace lentement vers la gauche, pour ne pas toucher la porte du garage et sortir du garage. Et là regardez, en longeant le mur vers la gauche, j'arrive à l'ascenseur, les textures arrivent, la cinématique est là, je monte dans l'ascenseur, je monte dans mon appartement et je vais sauvegarder cette tenue de flic qui est quand même stylée. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un glitch qui est quand même assez compliqué à faire. Moi j'ai mis quoi, j'ai mis une demi-heure à le réussir comparé à Kiki qui l'a réussi du premier coup. Donc franchement comme je vous l'ai dit, c'est au petit bonheur la chance. Faut réussir à avoir la bonne hauteur et taper le mur du garage. Si jamais vous ratez le glitch, vous allez réapparaître sur la map à l'endroit où vous vous trouvez, donc au niveau du grand carré, l'espèce de petit parc. Là ensuite regardez, donc je suis dans l'appartement, je vais dans la chambre au niveau au niveau du dressing et je sauvegarde cette tenue de flic. Donc comme je vous l'ai dit aussi, qui est assez stylée, voilà, je la sauvegarde. Là je l'appelle, hop là, tenue flic, je la sauvegarde et je vais vous montrer donc que je peux quitter directement la mission et qu'ensuite en mode online j'ai cette tenue qui est franchement stylée. Et voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
N'hésitez pas non plus à mettre vos pseudos en commentaire si jamais vous cherchez des gens pour faire ce glitch. Comme je vous l'ai dit, il faut être deux. Donc si jamais vous n'avez pas d'amis de connecter ou si des gens ne sont pas intéressés, vous aurez des pseudos donc dans les commentaires avec des gens qui veulent le faire. Là ensuite, donc regardez, j'arrive en mode online et je vous montre que la tenue est bien dans les tenues sauvegardées. Là je mets la tenue 100K et je reviens donc sur la tenue flic qui fonctionne. Et voilà, donc moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game, bon glitch et ciao tout le monde.